Et Music Kids, c'est que pour les kids. Et pour les grands aussi quand même un petit peu. Bienvenue dans ce tuto. Ouais, bravo! Après avoir lu les notes dans les deux clés, je te propose de découvrir une autre série de notes en clé de Fa afin de trouver une nouvelle gamme de Do, plus grave que celle vue précédemment. Tu es prêt? C'est parti! Ouais! Pour rappel, voici la gamme de Do en clé de Fa vue dans les précédents tutos. Cette gamme comporte les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do, dont les sons partent du registre grave vers le registre des sons médium, du Do grave au Do médium. Écoute. Décalons légèrement cette gamme afin de laisser la place à une nouvelle série de notes écrites plus bas dans la portée, correspondant à une autre gamme de Do, allant cette fois-ci du Do très grave au Do grave. Écoute. Pour écrire et retenir toutes ces nouvelles notes, rien de plus simple. Commençons par compléter la portée en plaçant les notes placées sur les lignes. Repartons du Do médium en citant une note sur deux en descendant. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Le Si se place donc sur la deuxième ligne et la note Sol sur la première ligne. Cinq lignes, cinq notes, voici donc les notes à retenir en clé de Fa. Sol, Si, Ré, Fa, La. Le Do médium étant placé sur une ligne supplémentaire. Petite astuce. En clé de Fa, retiens que la note placée sur la première ligne correspond à la note Sol, comme la clé de Sol. À partir de ce Sol, continuons à descendre de deux en deux afin de trouver la note Do. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. La portée n'ayant plus de ligne à disposition, il faut alors en rajouter. La première ligne supplémentaire sera donc réservée à la note Mi. La deuxième ligne sera quant à elle attribuée à la note Do. Une fois les notes Do, Mi, Sol, Si placées, il ne te reste qu'à compléter la série avec les notes placées dans les interlignes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voici donc du très grave au grave cette nouvelle gamme de Do en clé de Fa. Pour t'aider à mémoriser toutes ces nouvelles notes, je te propose quelques jeux joyeusement musicaux. Tu es prêt? C'est parti! Trop bien! Jeu numéro 1. Joue avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Écoute attentivement les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, puis tente de reconnaître celle qui est jouée par Dina le chien. Écoute. La note jouée par Dina est la note Do, note la plus grave de la série. Écoute. Tu as entendu la note Sol, la note la plus aiguë de la série. Écoute. Tu viens d'entendre la note Mi.
Écoute maintenant les notes Do et Ré, puis trouve celle qui est jouée par Dina. Tu as reconnu la note Ré? Bravo! Voici le même jeu avec les notes Mi, Fa, Sol. Écoute bien. Dina vient de jouer la note Fa. Lis de gauche à droite les notes jouées par Dina. Dina a joué les notes Sol, Mi, Fa, Mi, Do. Dina a joué les notes Ré, Mi, Fa, Sol, Do. Il fallait lire les notes Fa, Fa, Mi, Sol, Ré. Les notes jouées par Dina sont Sol, Ré, Fa, Mi, Do. Joue avec les notes Sol, La, Si, Do. Écoute les notes Sol, La, Si, Do, puis tente de reconnaître la note qui est jouée par Dina. Écoute.
La note jouée est la note si. Écoute. Tu viens d'entendre la note « la ». Lis de gauche à droite les notes jouées par Dina. Dina a joué les notes Do, La, Si, Sol. Il fallait lire les notes Sol, La, Sol, Do, Si, Do. Jeu numéro 2. Encore un jeu, ouais. Petit pinceau a-t-il correctement dessiné la note Ré? Non, la note Ré se place entre la ligne de la note Mi et la ligne de la note Do. En partant de la note Mi, aide Meupette la grenouille à atteindre le Ré en citant une note sur deux. En citant une note sur deux, tu trouves les notes Mi, Sol, Si, Ré. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Combien vois-tu de notes Mi ? Il fallait voir 3 mi. Combien vois-tu de notes Do? Il y a 5 Do. En partant de la note Ré, aide Meupette la grenouille à atteindre le Do en citant une note sur deux. En citant une note sur deux, tu trouves les notes Ré, Fa, La, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ouais ! À bientôt pour un prochain tuto des jeux de notes fastoches.